À quel moment vous avez pensé réussir une transformation physique en investissant sur un suivi, mais tu parles à une boîte mail? Tu peux m'expliquer à quel moment tu parles à un robot? À quel moment tu pensais que ton corps t'allait réussir à pouvoir le changer? Si la personne vient vers toi, c'est qu'elle est dans un mauvais état habituellement. Dans 90% du temps, des cas, elle est en panne. Donc, elle vient pour essayer de réparer cette panne. Elle a besoin de tes informations, de tes connaissances, ton expérience pour que tu puisses changer ça. Mais au-delà de l'expérience, il y a la vie. La vie. Je m'explique. Collation numéro 2, il doit la prendre. Au repas numéro 1, il n'a pas. Ok. Comment je fais? J'ai l'avion à prendre, j'ai pas mon repas. Je lui envoie un mail. La réponse, il l'a pas instantanément, ou 48 heures plus tard, ou 24 heures. Et ensuite, comment ça se passe? Comment ça se passe? Explique-moi. Il prend un croissant. Mais pourquoi t'as pris un croissant? J'ai voulu compenser, je pensais que c'était light. Avant de commencer, voilà mes informations. Regarde si ça te convient. Envoie-moi ton nom, prénom et numéro de téléphone. Je t'appelle avant que tu aies fait ton paiement. C'est bon, tu veux partir, c'est bon. T'as pas de contre-indication, t'as pas ça, t'as pas d'allergie, ok. Le plus important, c'est bon, ok. Alors regarde, on va fixer un rendez-vous. Tu comptes lors de ce rendez-vous, on va rester une demi-heure ensemble en visio, toi et moi. Tu vas me raconter toute ta life en une demi-heure. Si ça prend plus de temps, non, pasa nada. T'es préoccupé. Tac, tac, tac. Je veux utiliser. Moi, dès que je parle avec la personne, je sais direct, j'ai affaire à qui. Et après, le temps aussi, les jours, il me montre. Mais au moins, surtout, surtout là, le premier mois, je suis tellement derrière lui à lui expliquer tel et tel ça. S'il y a un problème, il y a ça, il y a ça, ça. T'as un truc à faire là, appelle. Tu m'envoies un message, appelle-moi. Ne fais pas, appelle-moi. J'ai pas ça. Mets la caméra, montre-moi ce qu'il y a dans la vitrine. Prends ça, 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 c'est bon, ça fera l'affaire. Allez, accélère. Je vais plus loin dans mon argumentation. Dis-moi, tu travailles dans quoi? Ton travail, est-ce que tu portes des trucs lourds? Parce que oui, ça a un rôle important entre la personne qui conduit une voiture et une personne qui travaille au chantier. Les gens, ils dorment pas à la salle de sport. Faut pas faire des suivis aux gens que, non, no pain, no gain. Les gens, ils vont s'évanouir. Doucement. Comme il le dit si bien le frangin. Doucement. Doucement. Tu vois, essaie de lubrifier un peu le mensonge, tu vois. Essaie de... Il s'agit de doser, ça date, je l'ai pas dit. Je sais pas, en fait, le manque de discernement, pourquoi vous l'avez autant? Surtout les amis, que ça te concerne à toi, André. Tu vas réparer tout ça, tu vas te retrouver comme ça devant le miroir et tu vas dire cette fameuse phrase. Qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment moi, là, sur le miroir?